Salut les amis, mais nous sommes toujours au BVI. Nous envisageons même peut-être de prolonger notre séjour pour vous montrer comme c'est beau, c'est magnifique, l'eau est super claire, un calme absolu. Nous sommes tout au nord des BVI au lagon Eustachia. Alors c'est difficile, Eustachia, mais c'est super. On vient d'arriver, on va y rester 2-3 jours. Il y a des plongées à faire et là on se prépare. On a décongelé des côtelettes qu'on va faire au barbecue. Voilà, on est super content. J'ai vérifié l'ancre, la Rocna 25 kg. Elle a super bien crocheté. On est sur du sable. Et nous sommes dans un lagon du fait que toute cette partie-là, tout ça jusqu'à là, il n'y a que cette partie où il y a le yacht qui rentre. C'est du corail, donc avec les enfants on va jeter, c'est une barrière de corail, on va jeter l'annexe, on va piocher et on va faire, monsieur qui me fait un petit coucou, c'est trop sympa. Ah oui, et là c'est le catamaran Plume, donc ils ont 3 enfants, on va aller les voir cet après-midi également, c'est magnifique. Allez, à plus pour d'autres aventures. Salut les amis, ben, mardi 23 avril, nous sommes toujours au BVI et franchement on s'y plaît. Alors il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 8h15 et regardez-moi ça, comme il y a 6 mètres de fond et on voit les coraux, on voit les poissons, c'est magnifique. Et encore une fois, nous sommes tout seuls au mouillage. Tout seul. Et ça, on apprécie. C'est magnifique. Nous allons ce matin à Spanish Town demander les modalités pour faire une prolongation de notre séjour, sachant que ça fait déjà un mois que nous sommes là. Et on a visité même pas la moitié des îles que compose les BVI, donc on va continuer à explorer cet endroit magnifique. Il y a de fortes chances que nous sommes obligés d'aller à Tortola, la capitale. Il s'avère que nous avions payé 100$ pour notre séjour d'un mois ici, et pour une prolongation il faut compter une vingtaine de dollars, donc on va pas s'en priver pour être toujours au paradis. Voilà. Alors on continue à explorer les BVI et on va profiter, waouh, regarde, on continue à profiter de nos visites dans les îles. Et là on va profiter aujourd'hui d'un resort. Il y a même un bar là où tu te mets. Ouais, non mais c'est pas incroyable. Alors Nounou il est un petit peu dégoûté, pourquoi Vincent? Parce qu'il a un trou, presque un trou, ouais. On lui a mis des strips, donc ça va pas le faire pour lui, ça fait à peine 2 jours. Il est un peu dégoûté, mais qu'est-ce que c'est joli. Océane, on va monter. Ah oui, on va monter. On va rejoindre Océane.
Viens. Allez, on découvre ensemble, hein. On découvre ensemble. Ah, il y avait même... Regarde, il y a même un toboggan. Bon, là, ils sont en train de refaire la réfection du toboggan. Et on nous a dit, on a parlé avec Lynn, le World Tour Aventure, qu'il y avait même un jacuzzi. Waouh! On a une super belle vue là. Ah ben ouais, il est là-bas le jacuzzi. C'est magnifique les amis. Avec 31 degrés. Et un soleil radieux. Allez, on y va ? On va profiter. On va profiter. Thank you.